J'en ai marre. Alors, dis-moi, Extra Lamar, Le Monk, SP, c'est comment, Pac-Man? C'est impossible. Voilà. J'ai pas envie d'interagir. J'ai pas envie. Oh putain. Oula! Arrête. Arrête. C'est mon intermédiaire qui a cassé là. Putain, mais il va que t'aimer. Alors, je te réponds après, Bozours. Ou quoi qu'en fait, est-ce que tu penses que je peux répondre à une question qui a rien à voir ou alors il va passer des choses en match? Non, vas-y, si tu veux, de toute façon, vas-y. C'est juste des jeux d'interaction que je gagne pas, donc vas-y. Alors, je vais te répondre un petit peu, Bozo, ça va. Petit hors sujet, histoire de pas oublier. Alors, mon amour pour. Bon, je sais pas si je considérerais ça comme un amour. Mais il faut comprendre que sur Ultimate, j'étais en. Au début, j'étais en Character Crisis. Je trouvais pas mon perso sur lequel me fixer. Et du coup, bon, voilà, l'E3 arrive. Et là, je me dis, putain, mais. Mais comment ça pourrait se faire, tu vois? Bon, effectivement, le match il est chiant. Du coup, c'est limite plus intéressant. Du coup, effectivement, bah ouais, moi j'étais tranquillement à l'E3, je me suis fait bon, y a rien qui peut me combler. Jeu de merde, je trouve pas mon perso, c'est chiant. J'espère que le DLC ça va être une bonne surprise. Et faut savoir que moi je suis un prêcheur de Vlad, de Golden Sun, hein, qui est aussi un protagoniste de JRPG. Tu vois, qui fait un petit peu et magie de terre, qui a épée, qui a invocation, etc. Et du coup, bon, voilà, moi je voulais ça comme jeu perso à la base. Bon, il y a un trophée, fait chier. Et là en fait, le dia qui commence, je vois héros de base, Dragon Quest, j'aime bien. Moi j'aime bien Dragon Quest, je suis pas fan absolu, mais Dragon Quest j'aime bien, tu vois, j'avais joué qu'au 9 à l'époque. Du coup, je vois Dragon Quest, je fais oh let's go, Yggdrasil, allez, sort, flamme, foutre, trop bien. Et là, je vois le Don B. Je vois une barre de NP, je vois le Don B. Je fais c'est mon perso. Et effectivement, c'est mon perso. Voilà, c'est tout. Voilà, et depuis ce jour, héros c'est mieux que ton perso. Voilà. Bon, voilà, maintenant que j'ai raconté l'histoire, il s'est passé 2 minutes, il s'est passé des choses dans le match, un petit peu. Bon, t'as pris une stock, comment ça s'est passé, Monkey, là? J'ai failli pleurer de joie. Ok, d'accord. Je l'ai mis un backer à genre 160. Voilà, et maintenant je vais attendre. Voilà, j'ai pas envie d'interagir. J'ai pas envie. Je suis à deux doigts de pleurer, là. Je vais peut-être gagner contre un Pac-Man, je sais pas si tu te rends compte. Bah ouais, pourquoi pas, parce que ouais, c'est vrai que Joel, bon, Pac-Man, je crois que ça fait un petit moment qu'il l'a pas joué, hein, donc on va voir. Il a vraiment pris juste pour me faire chier, genre, totalement, lui, alors lui... Totalement, mais non mais... C'est un main héros à la base, hein. Ah. C'est vraiment, je leur ai dit, venez lui. Tu connais la vidéo, il est posé avec HSC, là, on va lui casser les couilles, tu connais, comme ça, là. Et ben voilà. Et là, il ensuite, est tombé. Tu mets une banane et il est tombé. Comme ça. Voilà, clairement, ça c'est clairement le match-up Didi Pac-Man, c'est il est tombé. Aïe aïe aïe. Rends-moi mes chips. C'est clairement genre, c'est Pac-Man quand tu lui chopes son fruit. Rends-moi mon fruit. Pareil pour Didier la banane en vrai. Ça y est, je rigole tout seul. Allez, allez. Bon, en vrai, l'avantage c'est que Pac-Man il est comme toi, il tue jamais. Ouais, F-Smash. Ouais, à part si te F-Smash, mais faut vraiment être un giga nubler, okay, pour faire un F-Smash. T'es mal setup, je l'ai labé et tout. T'es prêt? Ouais, je suis prêt, du coup. J'en ai marre de ma vie. Bah, écoute, hein, GG à toi, gros. Ça fait plaisir. Merci, ouais. Ouais, ah, t'as vu les gars, le setup et tout, ouais. Ah, le petit setup, là. Non, il était... Ah non, il était good. Ah, il était good, ce setup. Bon, allez. Ah là là. Bon, en vrai, là, il reste une stock. Tu le termines, là, le Pac-Man, là. J'espère. Ok, t'aimes ça. Ouais. Ah, c'était trop drôle. Il était là en mode comme ça, je suis mort. Oh. Aïe aïe aïe. Je t'en supplie, meurs. Oui. Ouais, j'ai gagné. Bon, un résumé de Pac-Man. Je sais pas. Ah oui, tiens, j'avais fait un résumé quand je streamais et que j'avais affronté Yazagi ou en tête online. J'ai dit Pac-Man,
ça me donne envie de... Attends, j'ai oublié ce que j'avais dit. J'avais dit un truc genre... Ah oui, voilà, ça me donne envie de m'arracher les yeux, les donner à mon chien et manger la merde qui sort, voilà. C'était mon résumé. Incroyable. Et ben, bah let's go, du coup, hein, j'ai l'impression. Est-ce que là, John, il nous fait un petit switch de perso ou il est... Ah ouais, quand même. Yes, let's go. C'est parfait, là c'est vraiment... C'est la première fois que t'es content que ton adversaire ait counterpick, tu vois, genre... go Megaman. Oh non, 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 non. Et là, il pique son meilleur Youngling, genre. Allez-y, allez-y, lancez. Hein. Ah, non, c'est bah, bon, ça il va. Il prend un héros bon. Alors, moi, héros, vraiment, je connais pas du tout. C'est quoi le match-up Didi héros? Alors, en fait, si héros fait des Magic Burst neutral, Didi ne peut rien faire. Ouais, je comprends, ouais. Non, plus sérieusement, je pense que Didi gagne parce qu'il est petit, il est chiant à taper, il a la banane pour whiff punish, des trucs comme ça, tout ça. Totalement. Il peut gimp... Le up B de héros avec la banane, s'il joue bien. Mm. Peut punir ça aussi, c'est cool. Ouais. Comme ça. Ouais, clairement. Voilà, il a fait un side B à genre 30, il est mort. Bah ouais. Et après, je peux aussi me prendre des snooze, c'est sympa. Alors ouais, bon, par contre, c'est vrai que j'ai l'impression que t'es vraiment un client des spells, hein, genre... Ah, je sais pas pourquoi. Un gros yankee. Parce qu'après, genre, après un moment, je suis là en mode, vas-y, je vais shield. Et je suis le seul mec à me prendre des hatchet, man, j'en ai marre. En vrai, t'es pas le seul, y'en a plein qui s'en prennent sans faire exprès. Mais bon. Bah, c'est pas encore heureux. Si tu prends des saps en faisant exprès, pose-toi des questions, genre. Bah ouais, clairement. Oh là là. Mais ouais, je suis assez d'accord parce que du coup, héros, ça va être vraiment assez compliqué. Par contre, faut vraiment qu'il arrête ça. Hein. Mais ouais, héros, ça va être assez compliqué dans le match. Voilà, bon. Bound, ça peut aider, mais. Mais même sans la banane, oh, regarde, il t'approche quand même, il te pressure. Héros, ça aime pas quand le mec il te colle. Et bah Didi, il colle très très bien. Donc là par exemple, tu vois, il a oumph, et là hop, et bon. Ah ben, il avait oumph et accès, donc bon, niveau knockback c'était trop. Mais voilà, tu vas lui mettre des tatanes, mec, tu vas rien capter, genre. J'aime bien par contre le Watt qui passe les peanuts, genre, c'est rigolo. Oui, c'est relou. En vrai, vraiment, faut vraiment pas commit une seule fois. Dans ce match-up, Caprice ça. Bon, en vrai, ça peut aider. Je crois que Caprice ça casse la banane. Donc, en vrai, ça peut être pas mal. Genre, si tu lances la banane, tu fais un Caprice, t'as gagné quoi. Mais, bah, ouais, non, je pense juste parce que Didi va souffrir de l'énergie de la banane, mais ça devrait pas le casser. Hein. Ça casse pas la banane. Voilà. Ah, bah voilà. Bah, GG. Bah, comme voilà, il y avait plus assez de mana. Et, clairement, là, voilà, c'est la démonstration que gros perso de merde, Didi. Voilà. Oh là là. Et bah 2-0 pour toi encore. Invaincu le monk, hein. Invaincu. Bah du coup je coupe le record là-dessus, hein. GG à toi mon gros.